Avis que chaque jour, surtout précisément à Beni aujourd'hui, chaque jour, il y a des dizaines de morts, il y a plusieurs déplacés, il y a des familles qui se séparent. Et tout ça à cause de la barbarie de ces pseudo-rebelles qui se cachent derrière la politique pour massacrer la population. J'espère vraiment que la situation prendra fin, ça va cesser parce que, voilà. Car moi, je suis un artiste et puis ma musique est écoutée dans toute cette Dans toute cette région. région, oui. Donc voilà, pour le bien de la population, pour le bien de la jeunesse, je pense qu'il doit vraiment, le gouvernement doit vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus de massacres et qu'il n'y ait plus de ce genre de choses à l'Est. Votre appel, Partout Fally. d'ailleurs, partout en Afrique et au Congo, partout au Congo. Votre appel, Fally Ipupa, c'est celui d'un artiste, c'est pas celui de quelqu'un qui veut s'engager en politique dans un camp ou dans un autre. Vous l'avez souvent dit, hein, on mélange pas les genres. C'est pas Non, je pense votre que. parti. Non, moi je suis un artiste et je pense que je suis plus cool comme ça. Je préfère être artiste et musicien et je préfère ne pas avoir des partis pris. Je reste artiste et musicien, mais bon, s'il y a des choses qu'il Mais faut dénoncer, est-ce que la politique, à certains moments, ne vous rattrape pas? On l'a vu notamment avec ces combattants qui vous soupçonnaient d'être un des soutiens de l'ancien président Kabila, qui ont perturbé vos concerts. Est-ce que la politique, finalement, ne vous rattrape pas, même si vous ne voulez pas en La faire? politique qu'au Congo. La politique qu'au La Congo. politique peut vous rattraper qu'au Congo. C'est au Congo que les gens peuvent mélanger les choses. Mais parce que voilà, un artiste reste un artiste. Un artiste n'a pas besoin de. Tout le monde n'a pas besoin d'être politique ou politicien pour aider son peuple ou pour aider son pays. Et les artistes ne sont pas responsables de la situation du Congo. Non, non. Parce qu'il y a bien de menuisiers qui travaillent. Mais les gens qui interdisent aux artistes de travailler ici. Tous les week-ends, ils sont dans des boîtes de nuit, ils chantent, ça danse. Même quand ils font leurs manifestations, ils jouent la musique, ça danse pendant qu'il y a des morts à Béni. Donc c'est un peu une situation contradictoire.